En attendant, vous savez que cette conférence a été organisée en même temps que le musée d'histoire par le musée de la résistance en ligne en PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et vous avez une petite brochure qui détaille, qui est au fond de la salle, que vous pouvez prendre au fond de la salle, hein, qui détaille ce que fait le musée de la résistance en ligne, hein, qui est lié à la Fondation de la Résistance, qui est sur le site de la Fondation de la Résistance. Voilà, donc vous pouvez vous procurer en sortant la petite plaquette. Et vous pourrez aussi venir voir l'ouvrage dont nous avons parlé ici, auprès de son éditeur, M. Gossin, qui est là dans la salle, qui pourra répondre à vos questions sur l'édition d'un tel ouvrage. Voilà. En tout cas, vous pourrez voir l'ouvrage lui-même. Alors, nous attendons la petite fille de Bertie Albrecht, qui a été présente ce matin au dévoilement de la plaque et qui devrait arriver là incessamment sous peu. Vous n'entendez pas ? Est-ce que vous entendez mieux ? Pas touché. Là ? Très bien. Oui, déjà, je peux vous dire ce que vous voyez là. Hein, c'est la partie qu'on n'a pas vue ce matin pour le dévoilement de la plaque, puisqu'elle est dans la petite rue, hein, en face Saint-Victor. Hein, c'est la première plaque qui était posée en 1991. La première plaque a été posée en 1991 pour l'inauguration du square Bertie Albrecht. Alors, ce qui a eu lieu aujourd'hui, hein, c'est le résultat de la rénovation de ce square, parce qu'il était un peu laissé à l'abandon. Donc, il a été décidé par la municipalité et par l'association de résistance de rénover ce square, hein, et de nouveaux panneaux étaient posés sur la grille. Alors, bien évidemment, je ne les ai pas, parce qu'il a fallu que je prenne la photo tout à l'heure. Je n'ai pas eu le temps. Bon. Là, vous avez donc l'ancienne plaque dont je vais parler. Voilà. Mais vous allez dire un mot ? À la fin. À la fin ? Ici. Voilà, mesdames et... Ah, d'accord. Merci, on doit nous donner un signal puisque ces conférences sont enregistrées et diffusées en direct sur Internet. Donc nous sommes soumis à un protocole très strict, comme vous pouvez l'imaginer. On me dit que c'est donc possible de commencer. Alors soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Juste quelques secondes pour donc déjà vous remercier de votre présence. Remercier également dans la salle un certain nombre de partenaires, de représentants qui ont fait le déplacement tout spécialement depuis le Mont-Valérien, par exemple, pour notre collègue de l'ONACVG, invité par nos collègues de l'ONACVG des Bouches-du-Rhône, que je remercie. C'est des partenaires avec qui le musée d'histoire fonctionne évidemment en bonne intelligence depuis longtemps. Il y a également
Le maire de Mâcon, qui est peut-être dans la salle, Monsieur Regnard, qui est en tout cas qui va nous rejoindre incessamment sous peu, et puis Madame Hills, la petite fille de Bertie Albrecht, qui prendra la parole à l'issue de la conférence pour partager quelques réflexions avec vous. Et je remercie bien entendu nos deux intervenants. Donc, ma collègue Anne Blanchet, toujours beaucoup de plaisir de l'accueillir dans nos murs au Musée d'Histoire. Et puis, Robert Mancherini, on ne te présente bientôt plus, mais en tout cas, je te présente en tout cas comme un fervent défenseur du Musée d'Histoire et comme un ami scientifique du Musée d'Histoire, de son comité scientifique. Merci, Robert, pour tous les travaux scientifiques et tout l'accompagnement que tu apportes à ce musée. Et la preuve en est la parution de cette biographie consacrée à Bertie Albrecht et qui amène des éléments nouveaux et éminemment complémentaires de ceux que nous pouvions déjà présenter dans ce musée. C'est un travail considérable que vous avez mené ensemble avec Anne. Anne, plus précisément, sur la présentation de ce corpus, de cet petit espace consacré à Bertie Albrecht au Musée d'Histoire. Et puis Robert, pour cette très large contextualisation, pour cette publication parue donc aux éditions David Gossin. Vous pouvez d'ailleurs, je crois, vous procurer à l'issue de la conférence les ouvrages. Ils sont ici à cet effet. Voilà, je n'ai rien de plus à vous dire, si ce n'est un remerciement très, très chaleureux, très bonne conférence, et donc à tout à l'heure pour le débat. Et puis la signature. Merci. Bien, donc nous allons commencer tout de suite la conférence et les témoins, les grands témoins interviendront après. Alors, je dois dire que je suis très heureux de présenter cet ouvrage que vous pouvez procurer ici au Musée d'Histoire, parce que je suis très reconnaissant au Musée d'Histoire pour le travail de conservation des archives et d'acquisition, conservation des archives qui a été fait. Beaucoup a été donné par la famille Albrecht, au sens large, et d'autres ont été acquis par le musée. Donc ça a permis de faire un travail vraiment très intéressant, et c'est pour ça que je tenais aussi à ce que Anne participe à l'ouvrage et qu'aujourd'hui elle intervienne pour présenter les fonds du musée. Souvent on dit pour faire une étude historique, il faut aller aux archives nationales, ici, là. Et à Marseille, il y a aussi beaucoup de ressources. Et il faut savoir les utiliser, les valoriser. Donc voilà, c'est ce que je tenais à dire en premier. Alors maintenant, mes choix, une rude tâche, à se présenter en peu de temps, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, on a 2 heures, cet ouvrage, en même temps que la vie de Bertie Albrecht. Alors j'ai fait un choix. J'ai choisi une quinzaine de visuels que je vais commenter au fur et à mesure. Alors bien sûr, il y aura beaucoup de lacunes, de manques, mais on pourra après en rediscuter. Le tout, c'est que tout le monde ait bien en tête ce qu'a été la vie de Bertie Albrecht et aussi le projet de l'ouvrage. Difficile de simplifier la vie de Bertie Albrecht, tellement elle a été foisonnante. Sur chaque visuel, on pourrait passer pratiquement 1 heure. Bon, donc, je vais essayer de passer que quelques minutes. Alors ici, je commençais par l'ancienne plaque du square, qui aujourd'hui a été complétée par d'autres plaques posées sur les grilles, devant le square lui-même. Alors, vous voyez, cette plaque, je suis allé la voir quand j'ai commencé à travailler sur Bertie Albrecht. Enfin, je la connaissais, bien sûr. Mais je suis allé la voir quand j'ai commencé à travailler sur Bertie Albrecht. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment sur cette plaque? On apprend qu'elle est marseillaise. Pourquoi marseillaise? Bon, donc déjà, ça pose des questions. Compagnon de la Libération. Bon, compagnon de la Libération, c'est partie des 6 femmes sur les 1000 personnes compagnons de la Libération. Ce qui me donne une idée de la part des femmes honorées, non pas qui ont participé, mais qui sont honorées ensuite, ce qui n'est pas pareil. Ensuite, héroïne nationale de la résistance, cofondatrice du mouvement de combat, donc là aussi ça mérite quelques explications, militante des droits des femmes, ça a été inauguré en 1991 par Daniel Mitterrand, qui était très ami avec Bertie Albrecht, ce que peut-être on ne sait pas.
Alors, cette plaque posait un certain nombre de questions. J'ai essayé de les résoudre, réflexe d'historien, en recourant aux archives, bon, aux témoignages, c'est-à-dire à des sources. Où est-ce que j'ai trouvé les sources? Je viens de le dire. Beaucoup au Musée d'Histoire de Marseille en en parlera, pour montrer vraiment la richesse des archives qui sont déposées ici. Mais aussi, il y a de nombreux articles, biographies, notices biographiques. Il y a surtout trois ouvrages importants. Il y a deux qui ont été écrits par sa fille, la fille de Bertie Albrecht, dont la mère de Kilina, Ilse, Mireille, avec une réédition à laquelle Kilina a beaucoup contribué. Donc ces deux ouvrages montrent la vie un peu intime de Bertie Albrecht, en même temps quand même que son engagement dans la résistance et ses implications politiques. Il y a aussi un autre ouvrage qui a été écrit par une journaliste, hein, Madame Missica, donc qui aussi donne une contextualisation. Mais je trouvais que la place de Marseille n'était pas assez mise en valeur, et puis un certain nombre de problèmes méritaient de plus amples développements. D'où ce livre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, hein? Je vais voir les sites d'archives, bien sûr. J'ai recherché les témoins, mais vous savez, les témoins, à cette époque-là, il y en a de moins en moins. Beaucoup de témoignages écrits. Les archives, bon, archives départementales, archives de Saône-et-Loire, à Mâcon, que je suis allé voir, les archives municipales de Marseille, les archives nationales, bien évidemment, à Paris, les archives du musée d'Amsterdam, l'histoire sociale d'Amsterdam, où il y a des fonds très, très intéressants qui sont déposés, la bibliothèque féministe Marguerite Duras à Paris. Et bon, mais l'essentiel, quand j'ai fait le tour de tout ça, c'est quand même le musée d'histoire, et auquel je rends de nouveau hommage. Alors, cette plaque nous dit qu'elle est marseillaise. Alors, pourquoi marseillaise? Parce qu'elle est née à Marseille. Alors, contrairement à ce qu'on dit, ce qu'on pense souvent, elle n'est pas née dans cette maison-là. C'est-à-dire, cette maison-là qui jouxte le square Bertie Albrecht, elle a vécu une partie de sa jeunesse, mais elle n'est pas née là, elle est née au boulevard Notre-Dame. Elle est née à Marseille quand même. Et c'est là qu'elle a vécu toute une série d'événements importants. La famille, alors ce n'était pas la famille Albrecht, hein. C'était la famille Wild. Donc son nom de naissance, c'est Berthe Wild. Hein. Et Albrecht, c'est son nom de femme mariée. Alors elle a vécu là, ceux qui étaient au dévoilement ce matin ont vu que c'était vraiment un site splendide, hein, qui domine tout le Vieux-Port. À moitié dans le ciel. Et elle, ce qu'elle dit dans un texte qui a été reproduit par sa fille, elle dit « Je vivais dans le ciel ». Donc, tout à fait, quand on est sur place, on comprend ce que ça veut dire. C'est-à-dire, elle avait tout Marseille à ses pieds. Ou comme dirait Valérie, qui habitait là, alors plus tard qu'elle, c'est une maison qui est entre la crypte de Saint-Victor et l'onde. Donc, vous voyez, c'est un lieu très, très symbolique et très important. Alors, elle a vécu là pendant toute sa jeunesse. Alors, je passe vite. Hein. Une partie de sa jeunesse s'est passée aussi au lycée Montgrand, le premier lycée de jeunes filles ouvert à Marseille. Et elle le fréquente à partir de... elle est née en 1893. Elle le fréquente à partir de 1898. Elle rentre dans les classes enfantines. Et elle va suivre une scolarité à Montgrand pendant 10 ans. Il y a d'ailleurs une plaque, hein, qui est au lycée. Ah oui, pardon. Voilà. Elle est là. Vous remarquerez que c'est une blondinette parmi beaucoup, hein, de chevelure noire. Hein. Donc, c'est un peu la seule nordique qui se trouve au milieu de fillettes issues de Marseille et de l'immigration. Alors, scolarisée au lycée Montgrand, elle passe là dans 10 années. On ne sait pas très bien pourquoi. Elle suit une scolarité à peu près normale. Hein, mais à la fin, elle ne décroche pas le brevet. Elle échoue au brevet.
Alors, bon, peut-être parce qu'elle était un peu indisciplinée, on disait qu'elle était indisciplinée, plusieurs témoignages. Elle tenait tête facilement. Hein. Et donc, peut-être pour ça qu'elle a... Alors, comme toujours, la famille, à ce moment-là, va avoir un réflexe, c'est la Suisse, hein, puisque sa famille est d'origine suisse, protestante. Et donc, le réflexe que l'on a, avec des liens qui demeurent très forts, on envoie en Suisse pour essayer de rattraper les méfaits du peut-être un peu dissolu du Sud. Hein. Donc, en Suisse, et là, en Suisse, elle passe une année dans ce qu'on appelle une finishing school, où on lui apprend les bonnes manières à se tenir, à danser, à chanter, à respecter les protocoles. Bon. Et quand elle revient, elle obtient son brevet haut la main. Donc, voilà. Et à la suite de ça, qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors, pour beaucoup de jeunes filles de la bourgeoisie, bon, il n'est pas question de travailler hein, comme ça, d'aller travailler n'importe où. En revanche, le métier d'infirmière, ça offre une possibilité. Je signalerai que télescopage au-delà des siècles, ça a été le même problème pour Madame Charleroux. Quand elle dit « je vais étudier à Aix », la famille dit « non, non, tu restes à Marseille ». Donc, elle fait aussi des études d'infirmière. Vous voyez, il y a un peu une tradition de la bourgeoisie marseillaise. Mais bon, je passe sur cet aparté. Donc, elle va décider de devenir infirmière. Et voici sa carte d'ambulancière, hein, parce que c'est au bout de 3 ans d'études, on peut devenir ambulancière. C'est le livret de l'association des Dames Françaises, hein, qui a, l'une des 3 associations qui appartient à la Croix-Rouge. Donc voilà, là, elle peut travailler à ce moment-là, mais elle décide de ne pas travailler tout de suite. Elle décide, pour des raisons diverses, il y avait un peu des tensions, beaucoup de tensions d'ailleurs avec sa mère. Donc, peut-être qu'elle veut s'aérer un petit peu. Elle part à Londres. Et là, à Londres, elle va faire une rencontre décisive de quelqu'un qu'elle connaissait déjà parce qu'il avait été stagiaire de son père. C'est Frédéric Albrecht. Bon, Albrecht. Donc, tous les deux vont énormément se plaire et donc se considérer comme fiancés. Mais on est en 1914 et la guerre éclate. Donc, elle rentre vite à Marseille et là, elle va exercer son métier d'infirmière. L'anecdote, c'est au lycée Thiers, hein. Grand lycée de Marseille à l'époque, qui est transformé en hôpital. Donc c'est un grand hôpital, et là, elle raconte dans ses lettres hein, comment elle vit sa condition d'infirmière, et c'est passionnant. Hein, de ce point de vue, c'est passionnant, la manière dont elle vit ce service des autres. Parce qu'elle a toujours cette idée, quand même, de servir. C'est une idée qu'il n'abandonnera pas pendant toute sa vie. Donc, elle revient à Marseille après son séjour à Londres et elle correspond avec son fiancé, hein, Frédéric Albrecht, au grand déplaisir de sa mère, hein, qui voit ça d'un très, très mauvais œil. Ce fiancé, Frédéric Albrecht, pire que tout, est allemand. Bon, donc, déjà, ce fiancé avec un Allemand... aux alentours de la Première Guerre mondiale, c'est très, très mal vu. Hein. Et puis, bon, la famille voulait avoir toujours la main sur la fille. Puis finalement, alors on a sa correspondance, Anne en parlera, on a sa correspondance qui est passionnante, et puis elle va se marier, finalement, je passe sur différents épisodes passionnants également, elle va se marier, finalement, avec Frédéric Albrecht, elle va le rejoindre à Rotterdam, et il se marie à Rotterdam. Et là, ils vont avoir 2 enfants, hein, Frédéric et Mireille. Et son mari est un trader, hein, c'est-à-dire un financier qui travaille à la City de Londres. Et il va retourner à Londres pour faire son travail hein, de financier. Et toute la famille va déménager à Londres à ce moment-là. Et là, on a une image qui donne un peu de la vie. Une idée de la vie que mène Bertie Albrecht, ce n'est pas du tout une vie d'immigré, hein, dans la misère. C'est une riche bourgeoise londonienne. Hein. Ici, alors vous voyez Bertie Albrecht, ici, la nurse, parce qu'elle a une domesticité nombreuse,
hein, donc une nurse qui s'occupe des enfants. Là, je crois que c'est la petite Mireille. Et puis là, c'est le père, Monsieur Wilde, hein, qui est venu voir sa fille à Londres. Donc voilà, ouais, dans un jardin, splendide maison, donc une vie de riche. Hein. Mais il va se poser très très rapidement un problème sur lequel je reviendrai. Bertie Albrecht est tout sauf docile. Hein. Déjà, quand elle écrit à son mari, à son fiancé, elle dit « Ne crois pas que tu feras de moi ce que tu veux. Bon. » Il aurait dû se méfier. Hein. Là, l'écart qu'il va y avoir entre le mari et la femme va s'accroître peu à peu. Pourquoi ? Parce que Bertie Albrecht s'intéresse à la vie, elle lit beaucoup, elle lit la presse, elle va s'intéresser à tout le mouvement social, politique, féministe qui agite Londres à ce moment-là. Et donc, elle va participer au mouvement féministe. Quand je dis participer, c'est vraiment participer. Elle va participer aux associations internationales féministes qui sont créées à ce moment-là. J'ai été surpris par l'importance du mouvement féministe dans l'entre-deux-guerres. Hein, je crois qu'elles n'avaient rien à envier au MLF à ce moment-là. C'est-à-dire toute une série, y compris d'actes très provocateurs. Et souvent, c'est quelque chose qu'on, alors, dont on ne parle pas pour Bertie Albrecht, mais qu'on parle pas de, dont on ne parle pas de manière générale à ce mouvement féministe. Très, très important. Et international. Alors, avant d'aborder les conséquences que ça va avoir pour elle, il faut quand même que je vous montre cette image qui est le Golf Hotel à Beauvallon, à Grimont-Sainte-Maxime. Alors, pourquoi cette image à Beauvallon est importante ? Parce que Bertie Albrecht va souffrir d'une dépression après la mort de son père. Et donc, son mari fait tout pour la consoler. Et ils organisent un voyage en France, et en particulier sur la Côte d'Azur. Ils sont au Golf Hotel à Beauvallon, site merveilleux à l'époque, vous voyez, la Côte d'Azur. Il n'y avait pas des lotissements de partout, et des hectares de forêt derrière l'hôtel Beauvallon. Et ces hectares sont lotis. Et son mari, qui a de l'argent, décide tout de suite d'acheter un lot derrière l'hôtel à Beauvallon, au sommet de la colline, site magnifique. Au milieu des mimosas, des lauriers roses, etc. Et d'ailleurs, ça, Mireille Albrecht en parle avec ravissement. Hein. Elle a vécu là dans un petit paradis. Donc, ils vont faire construire une villa qu'ils vont appeler la Farigoulette, du nom provençal du thym, hein, la Farigoule. Parce que Bertie Albrecht est aussi provençaliste. Bon. Alors, je ne peux pas tout détailler, mais je vous la scène comme ça. Et donc, elle restera toute sa vie attachée à Beauvallon. Donc, toujours très attachée à la Provence, à laquelle elle reviendra à Beauvallon, à la Farigoulette, pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout le temps, pratiquement jusqu'à la fin, elle fréquentera Beauvallon. Mais elle ne se contente pas de fréquenter Beauvallon. Hein. Elle décide aussi de se séparer de son mari, qui lui reste à Londres, et elle décide de s'installer à Paris. Alors, à la fois, ses revendications féministes, hein, s'assumer en tant que telle, bien que ce soit son mari qui prenne en charge tous les frais. Hein. Elle a un très bel hôtel du côté des Champs-Élysées, un très bel appartement du côté des Champs-Élysées, donc voilà. Mais c'est un arrangement qui est accepté par les deux parties. Et Frédéric Albrecht vient tous les 15 jours voir les enfants. Mais elle va plus loin dans son engagement, ce qu'elle ne pouvait pas faire à Londres, puisque son mari financier, c'est difficile dans les repas d'affaires. Hein. Quand elle commençait à parler socialisme et féminisme, les gens qui étaient autour de la table étaient un peu choqués. Bon. Là, à Paris, elle peut le faire. Hein. Non seulement elle peut le faire, mais elle va s'engager vraiment à fond. Elle va sortir une revue qui est très explicite, hein, Le problème sexuel. Alors, ça n'a rien de... Quand vous tapez problème sexuel sur Internet, vous sortez toute une série de magazines cochons. Ça n'a absolument rien à voir, c'est quelque chose de très sérieux. D'ailleurs, sa fille, Mireille, dira « Je feuilletais le problème sexuel, j'étais très déçu. »
toute une série d'analyses, de textes, vraiment très, quelque chose de très sérieux, qui, des analyses historiques, sociologiques, vous voyez, morale, eugénique, hygiène, législation. Et dans le premier numéro, hein, c'est le numéro 1, novembre 33, notre enquête à propos du projet de loi communiste sur la question sexuelle de l'avortement. Très, très important, puisque l'avortement est interdit, la propagande en faveur de la contraception est interdite et amène des gens en prison, hein, au moins. Bon, donc, il y a plusieurs personnes qui sont condamnées comme ça, que fréquente Bertie Albrecht, ce qu'on appelait à l'époque les eugénistes, qui ont un peu de choses à voir avec ce qu'on appelle les eugénistes aujourd'hui, mais qui étaient pour la liberté de la contraception, la liberté de l'avortement et la propagande en faveur de l'avortement. On n'avait pas le droit d'en parler. Donc, elle va en parler, d'une manière ou d'une autre, et par exemple, elle participera à des meetings, hein, organisés par la Ligue des droits de l'homme, par exemple à Pavillon sous bois, hein, c'est une affiche qui est relativement connue, et vous voyez, éducateur, maman, venez entendre Madame Bertie Albrecht contre l'hypocrisie en matière sexuelle, pour l'équilibre moral et physique, pour l'égalité sexuelle, pour la justice. Vous voyez, c'est vraiment clair et net. À ce moment-là, et d'ailleurs, ils sont tous passibles de procès. Victor Bache, quand ils feront une réunion, ensuite de la Ligue des droits de l'homme à laquelle participe Bertie Albrecht, dira, vous savez qu'au sortir de cette réunion, on peut tous être arrêtés. Bon. Puisqu'ils prônaient la propagande à faire de l'avortement, de la contraception. Alors, elle s'engage, donc, du point de vue féministe, mais pas seulement. Et ça aussi, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'elle va aller plus loin. Elle s'est définie d'ailleurs elle-même comme socialiste. Et elle va participer à l'aide aux réfugiés d'Allemagne, d'Autriche, etc., qui sont pourchassés par le nazisme, à l'aide aux réfugiés espagnols, et aussi à la lutte contre la guerre d'Éthiopie. Alors j'ai trouvé beaucoup d'annonces où elle participe à des meetings, des réunions, des délégations dans les ambassades, dans les consulats, etc. Donc un engagement c'est-à-dire au-delà du féminisme, qui est à côté du féminisme, mais aussi qui pour elle compte énormément. Et donc, elle va fréquenter des milieux proches du Parti communiste à ce moment-là, mais sans jamais prendre sa carte au Parti communiste. Elle était un peu comme André Gide qui disait « Moi, je préfère l'union libre au mariage ». Donc, l'union libre au Parti communiste, oui. Prendre sa carte, c'était un peu autre chose. Hein. Voilà. Puis après, bon, on pourrait développer sur ses liens avec le Parti communiste, qui vont être très mauvais au moment du pacte, bien sûr, au moment du pacte des chambres soviétiques. Alors, j'ai commencé à parler du pacte chambres soviétiques, la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui commence. Alors, avant la Première Guerre mondiale, elle a décidé de s'engager plus profondément. C'est-à-dire, elle veut vraiment aller jusqu'au bout de son engagement. Aller jusqu'au bout de son engagement, ça veut dire assumer elle-même sa vie. C'est-à-dire avoir un métier. Et ce métier, elle le choisit, c'est surintendante d'usine. Alors, si vous voulez, c'est un peu une DRH, assistante sociale, enfin, plus compliqué que ça, mais ce sont des personnes qui, au sein de l'entreprise, s'occupent de la vie des ouvriers. Et elle va s'en occuper vraiment d'un sens assez contestataire. À chaque fois, elle fait remarquer tout ce qui est contraire au droit du travail, les problèmes de législation, les problèmes de santé, etc. Elle travaille dans plusieurs usines comme ça. La dernière usine dans laquelle elle travaille, c'est l'usine Filmen, qui va se déplacer vers Vierzon au moment de la guerre, puisque les usines, à ce moment-là, sont évacuées de la capitale. Donc, la guerre aussi va avoir une conséquence importante pour elle parce qu'elle va la séparer d'Henri Freinet. Henri Freinet, qu'on connaît comme le grand créateur de combat, a rencontré Bertie Albrecht dans les années 30 à Beauvallon, justement, dont je parlais, et il noue une relation d'amour, hein, très clairement. Et sans vivre ensemble, bon, il constitue un couple qui est reconnu en tant que tel. Et là, au moment de la guerre, ils sont séparés, puisque Freinet, qui est un capitaine d'active, va partir pour le front. Et donc là, Bertie Albrecht va se retrouver seul avec sa fille.
et son fils, et ils vont être déplacés vers Vierzon. Et puis elle va retrouver Henri Freinet, qui lui a fait tout un travail intellectuel, mais ce travail intellectuel était permis parce que lui a appris Bertie Albrecht, parce que lui vient d'une famille très conservatrice, lui est plutôt sensibilité de droite, hein, famille très conservatrice, et Bertie va lui faire rencontrer des réfugiés allemands, républicains espagnols, qui vont beaucoup le faire évoluer, et lui faire prendre conscience en particulier du danger du nazisme. Et ça, c'est un acquis qui sera toujours très important pour Freinet. Donc Bertie Albrecht a été très importante dans la formation politique, idéologique d'Henri Freinet. Ce qui fait que le journal que vous voyez là, qui est Combat, hein, va hériter de tout cela. Alors Combat a été créé à Lyon par à la fois Bertie qui a retrouvé Henri Freinet, mais il a commencé un petit peu à Marseille, puisque Freinet a créé un manifeste dès l'été 40. Et ensuite, à Lyon, puis à Vichy d'abord, puis ensuite à Lyon, il va sortir toute une série de publications. D'abord, ce qu'il appelle des bulletins de formation, ensuite un journal qui s'appelait Petites Ailes, puis ensuite, après plusieurs péripéties, ce journal Combat. Et vous voyez, là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais dans l'entête, dans la guerre comme dans la paix, le dernier mot est à celui qui ne se rend jamais. Bon, c'est clair et net, hein. Citation de Clémenceau, il ne fallait pas accepter l'armistice. Il faut se battre, préparer la revanche pour libérer le pays. Hein, c'est, en gros, c'est l'idée principale de Combat. Alors Bertie participe très activement. C'est elle qui va trouver l'imprimeur, par exemple, de Combat, à Villeurbanne. Où elle travaille. Hein, parce que quand elle va à Lyon, elle ne se contente pas de militer. Hein. Elle a aussi un travail. Je lui ai dit qu'elle était surintendante d'usine. Elle va devenir inspectrice du travail. Et donc, bien sûr, son bureau va être une annexe de Combat. Hein. C'est évident. Et ça, mais elle fait aussi un travail très sérieux en faveur des femmes. Et ça, c'est assez extraordinaire. Parce qu'elle crée, par exemple, une maison de la chômeuse à Villeurbanne. Et ici, c'est une publication féministe de 1946 où on dit, voilà, c'est Bertie Albrecht qui a créé la maison de la chômeuse à Villeurbanne, qui faisait travailler des femmes. Donc, voilà, toute une démarche en même temps d'insertion dans la vie. Bon, jusqu'au moment où... les autorités se rendent compte que vraiment l'essentiel de son travail, c'est la résistance. Donc là, elle va être arrêtée avec les membres de Combat, internée, je passe vite, là aussi, il y a plusieurs choses à raconter, internée à Vals-les-Bains, et avec Emmanuel Mounier, elle va devenir un peu célèbre à ce moment-là, puisqu'ils font tous les deux une grève de la faim pour obtenir de ne plus être internés. Et de fait, on va les libérer, mais pas totalement, puisqu'on va les mettre en prison à Lyon. Ils ne seront plus internés, ils seront prisonniers à Lyon. Et elle, ce qu'elle va faire, c'est en 1942, hein, donc c'est juste au moment où les Allemands envahissent la zone sud. Et à ce moment-là, le danger pour les gens qui sont en prison, c'est qu'il peut être saisi par les Allemands, déporté, ou envoyé par Vichy dans d'autres centres d'internement. Donc elle décide de ne pas rester en prison. Pour s'évader, elle se fait transférer dans un asile psychiatrique, qui est l'asile du Vinatier, à Bron, près de Lyon. Et là, elle va organiser son évasion. Donc ça veut dire qu'elle joue la folle pendant X temps pour passer au Vinatier. Et là, il y a un groupe de combat, un commando de combat qui va la faire évader, en gros, à la Noël 42. Ce qui fait qu'à la Noël 42, donc, elle est totalement dégagée. Enfin, il faut qu'elle passe à la clandestinité. Elle ne peut plus rester comme ça, avoir un métier officiel. Et puis, elle a été condamnée, hein, à 6 mois de prison, donc impossible de,
de revenir légalement. Donc elle va partir faire un petit tour de France en repassant par Marseille, et puis elle va se réfugier pendant tout un temps à Cluny. Pourquoi Cluny? Bon, on connaît l'abbaye de Cluny, mais bon. Parce qu'il y a une famille qui l'accueille, qui est la famille Gouze, qui l'accueille en même temps qu'Henri Freinet. Donc tous les deux sont cachés par la famille Gouze, qui va être plus connue des années après, puisque la jeune fille, l'une des jeunes filles de cette famille, Danielle, va devenir Danielle Mitterrand. Donc elle va être très connue, à ce moment-là. Et la villa Romada existe toujours, hein, à Cluny, c'est une villa très modeste. Il y a une annexe où se cachent Henri Freinet et Bertie Albrecht. Mais là encore, les deux vont être repérés, en particulier parce qu'il y a une trahison qui part de Marseille avec un traître qui s'appelle Multon, pseudonyme Lunel, et qui va trahir tout le monde. Alors ça va remonter jusqu'à Lyon, puisque Lunel va être utilisé pour la chasse aux résistants à Lyon. Bien évidemment, Cluny, Mâcon, et ça va remonter jusqu'à Jean Moulin, hein. René Hardy, puis Jean Moulin. Donc vous voyez, la trahison de Marseille, ça peut remonter loin. Ça, c'est la dernière image de Bertie Albrecht, encore en liberté, hein. C'est dans le cabanon de la famille Gouze, et c'est sa fille qui l'a photographié, avec un couffin plein de fleurs. C'est une image qui va être une icône, hein, qui va être reprise ensuite par des tas de dessins. Alors, dernière image, comment se fait-elle arrêter? Elle reçoit un message à l'hôtel de Bourgogne, qui est un hôtel dans lequel qui était un peu un centre de combat. Elle reçoit un message disant « Rendez-vous à l'hôtel de Bourgogne, j'ai quelque chose à vous dire. Bon, » c'est un agent double qui était piloté par la Gestapo et qui, à ce moment-là, va la faire tomber. Hein. Alors, non pas à l'hôtel de Bourgogne, mais dans un square tout proche, qui est le square de la paix, où il y a une plaque aujourd'hui, hein, Bertie Albrecht, compagnon de la libération, héroïne de la résistance, cofondatrice du mouvement combat. Elle fut arrêtée ici le 28 mai 1943 par la Gestapo. Alors effectivement, bon, l'agent double l'amène dans ce square, et là, tout de suite capturée par la Gestapo, emmenée dans une voiture, emmenée jusqu'au siège de la Gestapo à Mâcon, et ensuite directement à Fresnes. Alors, à Fresnes, là, on sait qu'elle va mourir. Hein, à Fresnes, elle va être torturée. Et puis, elle va mourir à Fresnes. On s'interroge beaucoup, à ce moment-là, Henri Freinet, qui est devenu ministre après la Libération, s'interroge beaucoup sur sa mort, comment sait-il qu'elle soit morte là, quelles sont les conditions de sa mort. Et finalement, par diverses enquêtes, autopsies, etc., il va trouver qu'elle s'est pendue, hein, dans sa cellule. Elle avait dit avant d'être prise même, si je dois repasser encore par la prison, je me tuerai. Donc le plus probable, hein, est qu'elle se soit suicidée à ce moment-là. Voilà, je suis désolé de ce digest d'une vie aussi riche, mais je pouvais difficilement faire autrement. Alors dans ce livre, nous avons aussi parlé de la mémoire de Bertie Albrecht, parce que ça paraissait très important. Nous avons trouvé qu'en France, aujourd'hui, il y a au moins 80 mémoriaux Bertie Albrecht. Alors de toutes sortes, hein. Il peut y avoir des statues, des plaques, des bâtiments qui sont baptisés Bertie Albrecht, des maisons de retraite. Bon. Et il y a surtout le Mont Valérien. Alors, peut-être qu'on donne des précisions sur le Mont Valérien, la mémoire du Mont Valérien. Et elle va être inhumée au Mont Valérien. Et il y a une grande cérémonie qui a été faite en novembre 1945, hein, à la demande du général de Gaulle. Le général de Gaulle voulait créer un grand mémorial de la résistance. C'est Henri Freinet qui l'a pris en charge. Vous voyez, ça, c'est avec une grande cérémonie, hein, avec les cercueils qui sont déposés autour de l'Arc de Triomphe et qui vont être amenés au Mont Valérien.
Alors, ce n'est pas le mont Valérien définitif, il va être recréé, le mont Valérien définitif, après l'arrivée de Gaulle au pouvoir pour la deuxième fois, sur la Ve République. Mais c'est très important. Alors, je vous fais grâce de tous les mémoriaux que nous avons trouvés. Je m'arrêterai simplement à cette image qui me paraît résumer parfaitement le caractère et la vie de Bertolt Brecht. C'est un dessin d'Ernest Pinault-Ernest qui nous a fait cadeau, nous a fait cadeau de son dessin en disant vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Donc nous l'avons utilisé, nous l'avons mis en couverture, mais je reproduis aussi à l'intérieur. Ça s'est exposé à la prison Saint-Paul de Lyon en 2012. La prison à Saint-Paul, qui était la prison des hommes, elle était la prison Saint-Joseph. Mais la prison est désaffectée, et donc Pignon va faire toute une série de portraits de résistants à ce moment-là, même ceux qui n'étaient pas forcément à Saint-Paul. Vous avez ici l'image de Bertolt Brecht. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je suis désolé d'avoir été aussi rapide, mais je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Et de toute façon, je ne peux que vous inciter à acquérir cet ouvrage qui répondra vraiment à toutes vos questions de manière détaillée. Et puis Anne va présenter ce qui s'est passé ici. Merci beaucoup. Tu veux leur dire ? Oui. Anne. Le. Ok. Ah oui, très bien. Voilà. Transition. Donc l'objet de mon intervention, c'est de vous montrer un peu la matérialité de ce fonds Bertolt Brecht, tel qu'il est conservé au musée d'histoire, et de montrer également en fait, qu'il témoigne de cette antériorité, de la multiplicité, de la continuité des engagements de Bertie. Donc le fonds Bertolt Brecht au musée d'histoire, en fait, c'est trois fonds distincts. Un premier don par Mireille Albrecht d'environ 200 objets et documents en 2007, qui ont été inventoriés en 2009. L'acquisition auprès d'un antiquaire, Yannick Lefebvre, en 2010, d'une série des lettres de Bertie à Frédéric durant la Première Guerre mondiale, qui sont datées de 1914-1915. Et enfin, en 2011, le don d'une série de photographies, d'un carnet de croquis, d'un bureau et de différents objets par Kilina Hills, qu'on remercie. Donc dans la collection, on trouve de nombreuses photographies, des albums de famille notamment. Ici, vous avez les portraits des parents de Bertie. Donc à gauche, Oscar. Alors, on dit Oscar Wilde, mais peut-être je le prononcerai à l'allemande, c'est-à-dire Oscar Wild, puisque en effet on est dans la Suisse germanophone. Et puis peut-être un portrait de sa mère, mais j'en suis pas sûre, peut-être Kilina vous pourrez nous dire, Marthe Gros-Claude, son père on en est sûr, on voit qu'au dos de ce portrait il y a une petite dédicace à Bertie, il est noté à mon crampon de Bertie pour sa fête le 15 février 1907, elle est née le 15 février, c'est donc pour son anniversaire, pour ses 14 ans, papa. Les collections, elles témoignent également, et c'est aussi ce qu'on a voulu essayer de montrer dans l'ouvrage, vraiment d'une enfance marseillaise et d'un attachement profond à sa ville. Et ici, vous avez sa carte d'abonnement à l'exposition internationale des applications de l'électricité qui se tient en 1908 au parc Chanot. On voit son portrait de petite fille. Ici, un carnet de croquis. Alors là, elle est à Londres en 1914.
Elle est surveillante dans un pensionnat de jeune fille. C'est là, en effet, qu'elle retrouve Frédéric Albrecht, qui la prend sous son aile. Elle achète ce carnet de croquis. Elle commence à y dessiner plein de vues de Londres, où il y a notamment l'abbaye de Westminster. Et puis, elle continue à utiliser ce carnet de croquis après son retour à Marseille en août 1914. Donc elle continue à faire ses croquis, et là je pense peut-être, et vous allez me dire, avoir reconnu des immeubles de la rive nord du Vieux-Port. On parlait tout à l'heure, Robert parlait de la vue sur le ciel entre la crypte et Londres, et donc en effet là où est situé au 140 rue Sainte l'immeuble dans lequel elle vit, elle a un balcon au-dessus du Vieux-Port, et on peut imaginer que en effet, ce dessin qu'elle fait en 1914, en 1915, correspond, vous voyez, à cette partie, je ne sais pas si on le voit, des immeubles de la rive nord du Vieux-Port. Pardon ? Ah, je ne suis pas en plein écran, pardon. Voilà. Alors, Robert vous a aussi parlé des lettres qui sont échangées avec son futur mari, avec Frédéric, donc quand elle revient à Marseille en 1914-1915. Voilà à quoi elle ressemble. Vous avez l'enveloppe avec l'adresse de Frédéric à Londres, et puis vous avez la lettre, et parfois des photos sont jointes aux lettres. On voit une photo d'elle, un portrait d'elle, peut-être, je ne sais pas, à Marseille, aux abords de Marseille, aux alentours. Est-ce que c'est du côté des plages du Prado ? Est-ce que c'est plutôt vers Marseille ? Mais en tout cas, peut-être on peut lire une partie de cette lettre où en fait elle témoigne, elle raconte le passage notamment des troupes coloniales à Marseille, et puis elle raconte aussi largement son sentiment sur la guerre. Alors je vais vous en lire un extrait. On parle donc comme durée de la guerre à présent. Avant que la Belgique soit nettoyée, ce sera long. Cependant, les grandes batailles au printemps vont décider de ces choses. Il est arrivé un nombre d'Indiens formidables il y a quelque temps. Je crois que les Allemands sont destinés à s'user rapidement. Pense au petit nombre d'Anglais et de Belges qui les tiennent en échec, et aux lignes de batailles colossales qu'ils ont à couvrir. Nous avons tous d'énormes réserves d'hommes et de bons généraux. Et si nous n'avons pas de gros canons, et aussi la foi que... Ah, pardon, j'aurais dû le préparer avant, que les nations pour une période cause. On va s'arrêter là parce que je n'ai pas préparé. Pardon, j'arrive pas à lire. C'est pas facile, hein ? Oui. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est, et Robert l'a dit, c'est que Berthier, elle est infirmière donc au Grand Lycée, qui a été transformée en hôpital militaire, et elle crée des liens avec certains soldats, la plupart qui sont très jeunes. Et ici, c'est très émouvant, c'est une carte postale qui est datée du 30 mars 1916 et qui annonce la naissance d'un petit garçon dans le foyer d'un soldat qu'elle a soigné. Hein, le petit garçon André Lucien Hugues Klaus. Donc il vient, en fait, c'est la grand-mère de ce bébé, de ce petit garçon, qui remercie Mademoiselle Bertie. Je viens de la part de ma fille, vous apprend la naissance de son petit garçon. Et ce petit garçon, ce bébé, est baptisé des noms des deux fils tués à la guerre, donc en fait des deux frères de la maman, puisque Bertie a soigné à l'hôpital militaire de Marseille son gendre. Donc dans le fond, on a aussi ce type de documents. Alors, on revient ici au carnet de croquis que je vous présentais tout à l'heure, et ce qui permet aussi de présenter un autre portrait de Bertie au moment de son mariage, et on voit que peut-être, là on est en 1917, elle fait aussi un autoportrait. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être, ça pourrait être un autoportrait de Bertie. Ici, de nouveau des photographies du couple.
Bertie et Frédéric, au moment où on peut l'imaginer de leur mariage, ils sont mariés en décembre 1918, et puis les deux enfants, Mireille et Freddy, Freddy né en 1920 et Mireille en 1924. Alors ici, c'est une photographie qui est prise à Beauvallon, à la Farigoulette. Une mention au dos le précise bien. C'est un lieu que la famille, comme vous l'a expliqué Robert, fréquente depuis 1929. Et on reconnaît dans la jeune femme qui est assise à droite, Mary Jane Gold, qui est bien connue ici à Marseille, pour avoir rejoint plus tard le centre américain de secours de Varian Fry. Les deux personnages masculins restent à identifier. Voilà, ça fait partie des choses qui restent à mieux comprendre. On peut imaginer que cette photo date des années 30. On voit la petite Mireille au premier plan, qui doit avoir peut-être 6-7 ans, sachant que la famille fréquente ce lieu depuis 1929. Ça peut coller. Alors, toute une série de documents aussi témoignent de son engagement féministe, autour notamment de cette revue Le problème sexuel, qui commence à apparaître en 1933. Ici, vous avez une lettre qui lui est adressée par Norman Eyre, qui est un gynécologue d'origine australienne, installé à Londres, où il ouvre une clinique et met en place toute une série de techniques de contraception, et ils échangent là sur des impressions autour de différentes publications liées au thème qui les intéresse. La lettre est datée du 14 juillet 1931. D'autres documents sont également liés à son travail de surintendante d'usine à partir de 1936. Donc, elle suit les cours de surintendante d'usine à Paris. Et ici, donc, c'est l'ordre de mission. Donc, elle est mandatée par le régime de Vichy, par l'État français, le 1er avril 1941, en tant qu'inspectrice régionale du chômage féminin pour la région du Lyonnais. Alors, sur cette diapositive, on voit trois cartes qui permettent aussi de comprendre aussi ces multiples déplacements au cours de cette période et notamment autour de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez à gauche cette carte d'identité datée de 1939 où elle vit à Paris, rue de l'Université. Puis au milieu, un permis de séjour qui est daté de début 1941. Comme le disait tout à l'heure Robert, elle rejoint Henri Freinet à Vichy fin décembre 1940. Elle loge à l'hôtel du Petit Casino et c'est depuis Vichy qu'ils vont commencer à confectionner un bulletin d'information clandestin qui deviendra le futur combat. Fin 1941, comme vous le voyez, on la retrouve à Villeurbanne et avec cette carte d'abonnement au réseau des transports de Lyon. Alors, ce fonds Bertie Albrecht, c'est aussi l'occasion de croiser les destins d'autres résistantes comme Odile Kinlen et Jeanne Civadon. On voit que Odile et Jeanne adressent à Bertie une invitation pour passer Noël 1941 ensemble. Bien chers amis, nous espérons tous après vous, nous avons le languiment, nous espérons tous vous avoir bientôt. Jeanne vous offre le gîte et nous le souper et le reste. Vite, arrivez, en attendant, je vous embrasse de tout cœur et je n'oublie pas Mireille. Ma chère Bertie, nous serions très heureuses de vous voir un peu. Nous irons demain à la messe de minuit à 17h avec Henri. Donc Henri, c'est Henri Freinet, bien sûr. Nous pensons à vous. Bonne année quand même. Bon baiser à Mireille et à vous. Alors Jeanne Civadon, c'était en fait la directrice de l'école des surintendants d'usine. Elle a été recrutée par Bertie pour faire partie du mouvement combat. Et à droite, vous avez un extrait d'une petite brochure consacrée aux héroïnes d'hier et d'aujourd'hui, édité en 1947. Où Jeanne Civadon témoigne justement de cet échange qu'elle a eu en début 1942, où Bertie lui expliquait
combien ça avait été dur pour elle de se retrouver seule au moment des fêtes de Noël 1941, où elle s'était retrouvée toute seule avec sa fille à Lyon dans un petit appartement et qu'elle était loin des fastes des Noëls d'antan qu'elle avait pu connaître. Vous montre une autre partie du fond qui sont des objets, des effets personnels. Ici, toute une série de robes lui ayant appartenu et qu'on présente dans la vitrine par rotation. La trousse de toilette, là aussi un objet très émouvant puisque il semble que c'est la trousse de toilette qu'elle a déposée chez ses camarades de combat à Mâcon le jour de son arrestation. Trousse de toilette qui sera restituée un peu plus tard et des années plus tard à sa famille. Et puis une partie du fond est consacrée donc à la mémoire de Bertie Albrecht. Ici le journal Combat qui est daté du 28 août 1943 avec un long article d'Henri Freinet. 28 août 1943, c'est quelques jours après la décision qui est prise depuis Alger de lui attribuer la Croix de la Libération, qu'il a fait donc compagnon de la Libération. Alors, la reconnaissance de la figure de Bertie à Marseille, elle est un peu plus tardive, elle date de la fin des années 80, et elle est le fruit d'initiatives croisées, portées à la fois par les proches de la famille, par des associations de femmes, par des historiennes. On peut notamment citer l'action de Catherine Maran-Fouquet qui organise en décembre 1989, à l'occasion des cérémonies du bicentenaire de la Révolution française et de la panthéonisation de trois hommes, une sorte de contre-manifestation à Marseille pour réclamer en regard la panthéonisation de trois femmes, dont Bertie Albrecht. Et cela aboutit donc en 1991, à la décision de la ville de Marseille de baptiser le square qu'on a vu tout à l'heure, qui est proche de l'immeuble du 140 rue Sainte, où elle a vécu toute une partie de son enfance et de sa jeunesse, le square Bertie Albrecht. Donc une cérémonie est organisée le 27 septembre 1991. Je vous ai présenté quelques photos qui sont conservées aux archives municipales de Marseille. On voit en haut à gauche la présentation au lycée Montgrand, donc elle était élève au lycée Montgrand, par René Drey-Bensoussan, qui était alors professeur d'histoire au lycée Montgrand, d'une exposition consacrée à Bertie Albrecht, faite par ses élèves, en présence, vous reconnaissez sûrement Robert Vigouroux, qui était alors maire de Marseille, Daniel Mitterrand, donc Mireille Albrecht, derrière elle Jean-Claude Gaudin, et puis vous avez à la droite de Jean-Claude Gaudin Edmond Charleroux. Sur la photographie en bas à droite, c'est le discours de l'historienne Catherine Maran-Fouquet au moment du dévoilement de la plaque qui a été présentée par Robert tout à l'heure en présence des mêmes personnes. La journée se termine par le vernissage de l'exposition Bertie Albrecht de Marseille au Mont-Valérien, La passion de la vérité, ici, au musée d'histoire de Marseille, dans son ancienne formule, donc exposition qui a été coproduite et imaginée par Myriam Morel, qui était alors la directrice du musée. On voit ici Daniel Mitterrand qui se penche sur une vitrine avec toujours Robert Vigouroux et Freddy Albrecht, donc le frère de Mireille, le fils de Bertie, qui présente les quelques objets qui donc sont prêtés pour l'occasion en 1991 et qui vont être, je vous l'ai expliqué, donnés au musée à partir de 2007-2009. On reconnaît notamment l'encrier dans la vitrine, encrier qui est présenté dans cette vitrine. Alors la photographie, je m'en excuse, est de mauvaise qualité, mais voici l'espace qui est consacré aujourd'hui à Bertie Albrecht dans la séquence 11 du parcours permanent du musée d'histoire.
donc il y a un découpage chronologique. La séquence 11, c'est la première moitié du XXe siècle. Et on a choisi la figure de Bertie Albrecht comme grand témoin de cette période, avec donc quelques objets qui sont exposés autour de son bureau et du travail qu'elle a pu mener à la fois dans la revue Le Problème Sexuel, à la fois pour Combat, l'encrier, une statuette, en effet des vêtements sur un mannequin qu'on présente en rotation, quelques objets, le portrait en arrière-plan. Et pourquoi on a choisi ce personnage? Parce qu'en effet, elle symbolise plusieurs décennies d'engagement pour l'aide aux blessés, pour l'aide aux réfugiés, pour le droit des femmes, pour la libération de la France. Et à ce titre, vraiment, la conservation de ce fonds au sein des musées de Marseille à la fois nous honore, mais aussi nous oblige. Voilà, je vous remercie. La parole à Kilina, si vous voulez bien nous dire quelques mots. Alors, je crois qu'il y a des questions d'emplacement. Il faut se mettre soit peut-être derrière le bureau à ma place, soit pour que vous puissiez être filmé. Attention de ne pas tomber. Oui, ça va, là, vous m'entendez. Alors, tout d'abord, un grand merci pour votre travail absolument extraordinaire. Votre livre, Robert, je l'ai reçu il y a quelque temps, quand vous me l'avez envoyé, et je l'ai dévoré. Vraiment, je l'ai dévoré parce que j'ai appris sur ma grand-mère tout un tas de choses que je ne savais pas. Et j'ai vu d'autres angles, vous voyez, parce que moi, ma grand-mère, je l'ai connue à travers ma mère, qui ne m'en a pas beaucoup parlé, et heureusement, elle a écrit des bouquins, et j'ai pu mieux connaître ma mère. Mais là, franchement, si j'ai un livre à recommander, c'est vraiment celui-là. Donc, il est là. Alors, qu'est-ce que je peux dire de plus? Franchement, tout a été dit, alors peut-être pas tout, mais disons, je vais peut-être dire des petites choses comme ça, parsemées, des petites anecdotes comme ça. Alors, à propos des fameuses lettres, que, hélas, ma mère, qui était déjà décédée, Mireille, est décédée en 2007, et je ne sais plus exactement à quelle date ces lettres ont été retrouvées dans une espèce de boîte à chaussures que quelqu'un avait achetée dans je crois que c'était une vente aux enchères de lettres de quelqu'un, je ne sais plus qui. Et au milieu de ces lettres-là, il y avait les lettres de Bertie. Nous n'avons jamais su comment elles étaient arrivées là. Ça, c'est un grand mystère. On ne sait pas. En tout cas, ces lettres, ça a été quelque chose de formidable, parce que moi, là, en les lisant, et effectivement, Anne, elles sont l'écriture de ma grand-mère. Pas très facile à lire, ça demande des efforts. Mais bon, je les ai lus. Et moi, ce qui m'a le plus amusée, alors déjà, elle écrivait à Frédéric, elle lui écrivait soit en français, soit en anglais, pas en allemand, alors qu'elle parlait couramment l'allemand, mais bon, soit en français, soit en anglais, qu'elle parlait parfaitement bien. Et ça me fait penser à ce que vous disiez, Robert, où, quand elle lui a dit... tu sais, tu ne pourras pas faire de moi ce que tu veux, quelque chose comme ça. Alors, en revanche, elle essayait quand même un peu de faire de lui ce qu'elle voulait. Parce que j'oublierai jamais, dans une lettre, elle le remercie de lui avoir envoyé une photo de lui, parce qu'évidemment, à l'époque, c'était pas évident de garder le contact comme ça. Et donc, il lui avait envoyé une photo de lui, et donc elle le remercie. Contente, elle lui dit, mais enfin quand même, il faut que je te dise quelque chose. Tu es trop gros. Et elle lui dit, tu sais, si tu veux me garder, enfin, elle l'a peut-être dit mieux que ça, mais il va falloir que tu fasses quelque chose. Et moi, je te dis que si tu es trop gros, c'est parce que tu manges mal. Et alors, vous voyez, féministe, anticonformiste, résistante et nutritionniste.
parce que déjà, elle lui dit exactement ce qu'il doit manger, les choses qu'il ne doit pas manger, ce qui est mauvais pour lui, etc. Et alors, mon grand-père, je l'ai connu. Ma grand-mère, hélas, évidemment, je ne l'ai jamais connue, mais mon grand-père, je l'ai connu. Et je crois qu'il n'a jamais vraiment suivi... c'est... Oui, il est resté quand même... Il avait de l'embonpoint, et bon, c'est resté comme ça. Donc, c'est peut-être une des raisons aussi, hein, n'est-ce pas ? Donc, voilà, c'était ça, ma grand-mère. Hein. Une autre anecdote, alors ça, c'est ma mère qui me l'a raconté. Et quand elle a passé une dernière nuit auprès de sa mère, c'était avant que ma mère ne soit envoyée en Suisse, parce que ma grand-mère sentait bien que ça devenait dangereux et que si elle se faisait arrêter pour une raison ou une autre, hein, elle avait de l'intuition, elle s'est dit, si jamais il tombe sur ma fille... Ils vont essayer de me faire parler, ils vont la prendre, essayer de me faire parler. Donc, elle s'est dit, je vais la faire envoyer en Suisse, et avec un autre compagnon de combat, Pierre de Bénouville, qui a littéralement emmené ma mère en Suisse. Mais juste avant ça, ma grand-mère et ma mère ont passé une dernière nuit ensemble, alors je ne sais plus où c'était peut-être dans un hôtel, je ne sais pas, mais enfin, il y avait un lit d'une place. Et les deux ont dormi dans ce lit d'une place. Les deux étaient comme ça, maigres comme des clous, évidemment, parce que bon, on mangeait pas beaucoup hein, à l'époque. Oui, voilà, exactement. Et à un moment donné, et ça, ma mère me l'a raconté, elle me dit une des dernières phrases dont je me souviens de ma mère, et elle disait ça avec beaucoup de tendresse, bizarrement. C'est sa mère qui lui dit « Oh, Mireille, écoute, pousse ton gros cul !» Voilà, parce que bon, elle prenait toute la place. Et voilà, alors c'est des petites anecdotes comme ça où on sent le côté humain c'est presque des dernières paroles, quoi. C'est étonnant. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Non, je crois que vous avez vraiment tout dit, quoi, franchement. Sur le côté extraordinaire de ma grand-mère, ma mère, petit hommage à ma mère Mireille, vous avez parlé, Robert, de quand ma grand-mère a simulé la folie et qu'elle s'est retrouvée au Vinatier dans cet asile psychiatrique. C'est grâce à ma mère, aux allées et venues de ma mère, qu'elle a pu organiser son évasion. Donc, elle a pu organiser son évasion et aussi grâce au docteur, au directeur de cet asile qui a tout de suite compris qu'elle n'était pas si folle que ça et qui l'a beaucoup aidée. Donc, entre ma mère Mireille et le docteur, grâce à ces deux personnes, cette évasion a pu se faire. Donc, c'est vraiment un petit bout de reconnaissance pour ces deux personnages. En tout cas, je voudrais remercier tout le monde ici d'être venu, de montrer un intérêt pour ma grand-mère. Ça me fait chaud au cœur, parce que c'est le genre de choses, ça n'intéresse pas tellement de monde à l'heure actuelle, hein, franchement. Bon, donc ça fait du bien de vous voir ici. Et je vous dis, du coup, je vous dis merci. Et merci à vous. Bonjour, qui nous fait le grand plaisir d'être parmi nous et à qui on aimerait céder la parole, c'est Monsieur Michel-Antoine Rognard, qui a été maire de Mâcon de 1977 à 2001. Comme vous l'avez compris, Mâcon, c'est la ville d'arrestation de Berti. Et si vous pouvez nous dire deux mots de la manière dont la mémoire de cette arrestation a été portée dans votre ville. Merci. Merci de votre présentation. Effectivement, j'ai été maire de Mâcon, le lieu de l'arrestation de Berti Albrecht. Et c'est en 1994 qu'avec Mireille Albrecht, nous avons inauguré cette stèle que vous avez vue tout à l'heure, avec un hommage à toutes les victimes d'Avoissy.
de part et d'autre, les victimes mâconnaises, au sens de la région mâconnaise, de l'occupation allemande et de la milice, car chez nous, à Mâcon, la plus terrible des répressions a été celle de la milice. Donc, nous avons inauguré cette plaque. Vous voyez, l'arrestation a lieu là, derrière, tout de suite, à quelques mètres, sur un banc. L'arrestation est décrite par un homme qui est devenu mâconnais, qui à l'époque était agent de police à Tournu. Le palais de justice est juste dans le fond, là on l'aperçoit. Il en sort et il voit une scène qu'il a conservée toute sa vie et qui va être reprise. Et Mireille Albrecht a eu parfaitement raison de la consigner par écrit pour qu'elle reste de façon définitive. Monsieur Tramoni, puisque c'est son nom, nous dit qu'il a vu une voiture qui longeait le parc, qui longeait le square, pardon, et une femme accompagnée d'une autre femme sur un banc qui parlait avec un papier à la main. Et la voiture s'approche et sortent rapidement deux hommes qui vont ceinturer celle qui tient le papier, c'est Bertie Albrecht, et elle crie pour alerter la Gestapo, est là, elle est conduite vers la voiture, enfermée dans la voiture, celui qui est au volant part tout de suite. Et l'autre femme va quitter ce square, prendre une rue, alors monsieur Tramoni a la possibilité de l'interpeller, il est agent de police, il a quand même des réflexes, elle lui dit... Oui, c'est rien, c'était les Allemands, moi je pars, des propos incompréhensibles, plus ou moins. Cette femme, c'est une personne qui va laisser dans l'histoire triste souvenir, c'est Madame de Letraz, qui est une agente double, triple, qui a comme amant... des gens qui sont à la fois, qui ne sont pas dans la résistance, mais qui sont pas dans la collaboration, toute ambiguïté. Cette femme va être à un moment dans la proximité de Klaus Barbie, mais en service commandé par d'autres, c'est très très compliqué. Cette femme, on va l'entendre au cours du procès Hardy, dont Robert a parlé tout à l'heure, et elle a failli, l'avocat de Hardy, Maurice Garçon, a demandé qu'elle soit inculpée de mensonges, tellement c'était flagrant, c'est le raconter par rapport à d'autres versions qu'elle avait données. Cette femme, Mireille Albrecht, a voulu la rencontrer, c'était en 85 ou 86, ou entre 86 et le deuxième livre. Je crois qu'elle... Elle va à Annemasse, où habite cette femme, elle la rencontre. Et c'est très décevant, parce que le mensonge continue. Le mensonge continue. Simplement, l'existence de cette femme montre, pour ma part, que l'arrestation est due à la trahison, dénonciation de Lunel, qui travaille pour un dénommé... Excusez-moi, son nom m'échappe, mais enfin, il est un personnage qui est à la fois qui est dans l'abvers, mais qui est mis au service de Barbie, mais qui joue son propre jeu. Ce personnage, Lunel est son instrument. Je crois, Robert l'a tout à l'heure très bien rappelé, organise une souricière, en quelque sorte, et c'est le résultat, bon, que l'on connaît maintenant. Alors, il y a une autre thèse. Pourquoi une autre thèse? Parce que, pour moi, c'est le hasard, mais ce n'est pas démontrable. Ce même jour de l'arrestation a lieu à Mâcon une réunion au sommet de combat.
dans une rue qui n'est pas très loin de ce square, à environ 1 kilomètre. Cette réunion commence par une réunion préparatoire avec le responsable de combat sur Mâcon, un jeune, très jeune, qui va être plus tard député gaulliste à Lyon. Et il a 24 ans, c'est le fondateur de combat sur Mâcon et sa région. Et là, il y a le responsable régional et il prépare une réunion qui doit avoir lieu à 11h dans l'hôtel que l'on a vu tout à l'heure, tout près de cette place. Et effectivement, arrive, voici l'hôtel où devait se tenir la réunion. Simplement, ils sont un peu en retard et ils envoient un jeune collaborateur voir ce qui se passe. Et le jeune collaborateur, lorsqu'il arrive, voit deux sentinelles et comprend que la situation est piégée. Il retourne vite prévenir ses responsables de combat et arrive au même moment de Lyon. Deux des responsables nationaux, enfin nationaux au plus haut niveau, de Bénouville, et, excusez-moi, j'ai oublié son nom, je vous en parlais tout à l'heure, futur ministre, j'ai, faut que je vous donne le nom, mais je crois que j'ai un document là, Jacques Baumel, qui est aussi un secrétaire de combat, qui, ils arrivent à la gare, ils sont prévenus aussi et, du piège, et ils repartent tout de suite. Bien. La thèse est, pour moi, motivée par des personnes qui sont, très réservées ou critiques à l'égard de Freinet. Car Freinet devait participer à cette réunion et Freinet lui-même, de façon, je pense, légère, dans son livre « La nuit finira », dit qu'il n'est pas venu à cette réunion parce que son réveil matin n'a pas sonné. Et de Bénouville, lui, non, dit « c'est pas ça, c'est que moi je l'ai prévenu parce que le piège, je savais, etc. » Celui dont je viens de parler, Baumel, a une autre version. Bref, chacun sa version, qui sont relatés des années après. Moi, je suis très sceptique par rapport à... Alors, la thèse, c'est que, bien sûr, on réintroduit Bertie Albrecht en disant qu'elle participait à cette... Elle devait participer à cette réunion à 11h, au sommet. J'en suis pas sûr, personnellement. J'en suis pas sûr du tout. Je pense que tout ce qui se passe avant montre qu'elle vient de façon... pour cette rencontre, mais qu'il y a quelque chose chez elle, d'un appel à une espèce d'issue difficile à cerner. Je ne pense pas qu'elle venait à cette réunion au sommet à 11h, pour des tas de raisons, je ne vais pas les énumérer ici. Et cette réunion, en tout cas, elle était prévue, et elle a eu un début, donc Rubigonnet, c'est un peu plus loin. C'est, je pense, le hasard de date qui a ensuite été utilisé pour cette nouvelle version que certains ont développée, mettant en cause l'absence de Freinet et l'alibi du réveil, qui est curieux, quoi. D'autant qu'il est contredit par de Bénouville, son adjoint direct. Voilà. Donc, moi, je m'en tiens à la version. En plus, le témoignage de M. Tramoni. M. Tramoni, je l'ai rencontré, jeune avocat. J'avais des relations avec lui par des clients interposés. Et M. Tramoni m'a raconté ça, parce qu'il savait que je m'intéressais déjà à cette période. Et il m'a raconté, et c'est dans les mêmes termes. Hein, on ne peut pas changer une virgule, quasiment, dans sa version donnée. Et cette version montre bien que... S'il y a Madame de Letraz, c'est le piège qui se referme tout à fait. Et derrière, il y a Lunel qui n'est pas là, qui vient le lendemain,
sur ordre de Barbie pour voir ce qui s'est passé. Bon, j'arrête là parce qu'après on entre dans différentes hypothèses. Oui, oui, oui. Seule arrestation. Oui, mais à mon avis, les cinq, parce que finalement, ils sont cinq, les policiers allemands. Six, une réunion. Vous vous rendez compte, il y a un argument terrible là. Je sais pas, je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps en y réfléchissant. Trois semaines après, il y a l'arrestation de Caluire. Quand on voit le dispositif mis en place par Barbie pour cerner cette réunion, y a-t-il Jean Moulin ou pas, il ne le sait pas encore. Réunion, sans doute, avec des renseignements qu'il avait, importante, mais pas plus importante, je dirais même moins, que le sommet de combat. Et on n'en voit pas cinq gus en civil avec une bagnole, qui sont quand même... Après, il y a autre chose qui arrive. Ils se rendent à Cluny. Il peut être lui aussi un agent double parce que... Enfin, il faudrait que Gilbert Mitterrand raconte ça. Je ne veux pas le faire à sa place, n'est-ce pas, hein. D'autant que aussi un autre observateur a montré une attitude ambiguë d'un des cinq. Voilà. Donc, cinq policiers pour... Alors, peut-être que bien sûr, le but était d'arrêter Berti pour essayer d'atteindre ensuite Henri Freinet. Ça, vraisemblablement. Mais l'opération elle-même, elle est quand même, à mon avis, bien configurée à partir des éléments certains que nous avons. Merci beaucoup. Débat historique. Oui. Est-ce que Alors, peut-être y a-t-il des questions dans la salle, des remarques ? Merci. Comment ça se fait que cette Deletraz n'a pas été exécutée après la guerre ? Parce que dans l'ambiguïté et dans ce qu'on appelle les agents doubles, triples, ils ont des justifications, elle a été la maîtresse du colonel de Vavrin, le héros, un condamné à mort s'est échappé. Il a donné son histoire racontée par... Robert Bresson, je crois, le réalisateur. Donc, c'est aussi un héros, en même temps que... Voilà. Donc, elle aurait pu être inculpée après ses dépositions contradictoires au procès Hardy. Ça n'a pas été le cas. Et elle a un défenseur. Alors, il y a un journaliste qui explique d'histoire, son nom ne revient pas, qui l'a défendu et qui a écrit un livre pour défendre cette femme. Peut-être la dame du Mont-Valérien. On a quelques informations sur le Mont-Valérien, peut-être. Bonsoir. Je m'appelle Jeanne Portet, je travaille au Mont-Valérien. Donc peut-être juste pour vous dire un mot sur la sépulture de Berthier Albrecht, là où elle est inhumée, rapidement. Tout d'abord, le Mont-Valérien, qui est une forteresse militaire construite au début du 19e siècle, a été évidemment occupée par les Allemands dès qu'ils sont arrivés à Paris, où ils ont installé une division de la Wehrmacht à proximité de Paris. Pendant l'occupation, le Mont-Valérien a été le plus important lieu d'exécution de résistants et d'otages. Un peu plus d'un millier d'hommes, dans toute leur diversité, ont été fusillés au Mont-Valérien, 19 nationalités différentes, résistants et otages, juifs, communistes, membres de tous les réseaux de résistance qu'on peut trouver en France occupée. Dès la libération de Paris, le général de Gaulle, et en fait même pendant l'occupation, sait très bien ce qui se passe au Mont-Valérien. Et donc, assez logiquement, entre octobre et novembre 1944, de Gaulle va faire une espèce de tour de région parisienne, des lieux importants des martyrs de la résistance. Et il va monter. Alors, si vous venez nous voir assurés de Mont-Valérien, il y a
une grande côte pour monter jusqu'à la forteresse. Il va monter cette côte et être accompagné par un grand nombre de personnes qui vont l'accueillir jusqu'à la clairière des fusillés du Mont Valérien. Et ce qui est un peu particulier avec cette journée du 1er novembre 1944, où De Gaulle vient rendre hommage aux fusillés du Mont Valérien, c'est que ce sont les familles des gens fusillés au Mont Valérien qui l'accompagnent jusqu'au lieu d'exécution. Assez rapidement après la guerre, De Gaulle va vraiment exprimer l'envie d'avoir un haut lieu de la mémoire nationale de la Seconde Guerre mondiale, des combattants de 39-45. Assez logiquement, le Mont Valérien s'impose dans son esprit pour construire ce mémorial. Et on en revient à la journée dont vous parliez tout à l'heure, du 11 novembre 1945. En fait, c'est sur une idée de Henri Freinet que De Gaulle va constituer ce qu'on appelle aujourd'hui le mémorial de la France combattante, et qui est donc cette crypte commémorative dans laquelle vont être inhumés d'abord 15, puis 16, puis aujourd'hui 17 héros et héroïnes de la résistance et des combats de 39-45. L'idée de De Gaulle, à la base, et vraiment pour faire très rapidement, c'est de mettre en place une mémoire nationale un petit peu à la hauteur de celle qui avait été faite pour les combattants de 14-18. Or, quand on a un soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe qui rend hommage à tous les poilus morts dans les tranchées, ça faisait du sens. Trouver un seul combattant pour les représenter tous pour la Seconde Guerre mondiale, c'est beaucoup plus particulier. Les combats sont autrement plus pluriels et complexes. Et donc, c'est sous cette idée d'Henri Freinet qu'on va procéder à une... On va définir 15 catégories de combattants et tirer au sort, dans ces catégories, une dépouille pour les représenter tous. Et donc, Bertie Albrecht, donc, qui est installé aujourd'hui dans les cryptes définitives du Mémorial de la France combattante, qui a été inauguré le 18 juin 1960, la date doit vous faire écho, elle est installée au caveau numéro 5, aujourd'hui, dans cette crypte, et elle a été tirée au sort pour représenter la catégorie des femmes et de leur représentation dans la résistance. Elles sont 2 sur 16 dans la crypte, donc la deuxième femme s'appelle Renée Lévy. Bertie Albrecht représente vraiment la figure féminine de la résistance intérieure, là où Renée Lévy représente plutôt le sort des femmes qui ont été déportées pour des raisons politiques et guillotinées dans les prisons en Allemagne, les femmes étant généralement pas condamnées à mort en France parce que pas considérées comme combattantes et donc pas jugées dans les tribunaux militaires de l'armée allemande, mais plutôt rejugées par des tribunaux civils en Allemagne et guillotinées dans les prisons allemandes. Renée Lévy représente aussi la proportion importante de juifs dans la résistance. Et donc elles sont toutes les deux les femmes qui représentent les combattantes de cette crypte. Donc les 15 dépouilles qui avaient été présentées autour de l'Arc de Triomphe le 11 novembre 1945 vont être acheminées en fait des Invalides à l'Arc de Triomphe et jusqu'à ce qu'on appelle nous la pré-crypte, qui était un pré-mémorial à l'intérieur du Mont Valérien. De Gaulle quitte le pouvoir, il revient en 58, et alors qu'en 58, quand il fonde la Ve République, on pourrait penser qu'il y a un certain nombre de mesures très importantes qu'il doit prendre tout de suite. On a l'habitude, nous, de dire que dans les 10 premières mesures qu'il prend de son premier septennat, arrive la construction de la crypte définitive ce qui deviennent les 16 représentants de la France combattante au Mont Valérien. Ils ont été rejoints par le dernier des compagnons de la Libération, Hubert Germain, qui est décédé en octobre 2021, et une place avait été laissée pour lui dans cette crypte. Et il a été inhumé donc au Mont Valérien le 11 novembre 2021, clôturant définitivement la construction de ce mémorial qui est une grande gêne gaulienne de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Et Bertie Albrecht trouve sa place à la fois dans le parcours qu'elle représente et à la fois vraiment dans une figure féminine de la résistance qu'elle est dans la crypte du Mont Valérien. Le Mont Valérien a donc la figure de Bertie, la figure de Henri Freinet par la conception de la crypte, et puis autour du Mont Valérien, une promenade qui s'appelle la promenade Jacques Baumel, finit de clôturer l'influence du mouvement combat dans ces histoires de la résistance et de ses mémoires. Voilà, je pense que j'ai un peu résumé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques dans la salle ? D'autres questions ? Peut-être... Ah, oui.
Est-ce qu'on sait quelle est la part de conception ou de reconnaissance de maternité ou paternité du journal Combat entre Freinet et Bertie Albrecht? Parce que souvent, il était dit que c'était Freinet qui avait créé ce journal. Et puis, j'ai lu d'autres textes qui disaient que c'était vraiment elle, mais que c'était moins dit, moins reconnu. Donc, je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus. Sur son rôle. Qui avait vraiment été à l'origine de la création des écrits du journal Combat? D'abord, elle aide Freinet dès le départ pour sortir ce qu'on appelle. Elle aide Freinet au départ pour sortir ce qu'ils appellent les bulletins d'information. C'est-à-dire, Freinet amène des renseignements qu'il a glanés dans les services secrets, puisqu'il en fait partie. Hein. Donc, il amène tout ça. Et avec Bertie, justement, c'est Bertie qui dactylographie, hein, ils font 18 exemplaires de ça, du bulletin d'information. Donc, ils vont envoyer, plier dans des journaux, par exemple. Et au fur et à mesure, ensuite, ils vont sortir un bulletin de propagande, donc qui est plus un bulletin d'analyse politique. Et ensuite, ce qui prend la forme d'un journal Petite Zelle. Mais tout ça, ils font ensemble. Hein. Voilà, donc, y compris au niveau du contenu des articles, je crois. Et ensuite, pour Combat, j'ai déjà dit, bon, là, ils le sortent à Lyon, plutôt à Villeurbanne. Hein, et c'est elle qui trouve l'imprimeur. Donc, elle joue vraiment un rôle essentiel, là, y compris dans les. Alors, dans l'écriture, alors après, délimiter ce qui incombe à Freinet et à Bertie, c'est difficile. Hein. Mais par exemple, elle joue un rôle très très important sur la structuration même de Combat. Par exemple, un pôle important en zone occupée, c'est être l'école des surintendantes. Et ça, c'est elle. Hein. C'est elle qui recrute Jeanne Civadon, etc. Et y compris, elle recrute aussi, Combat recrute aussi des gens de l'usine Fulmen, où elle est passée. Donc, elle joue à la fois un rôle important pour la sortie du journal, mais aussi pour la structuration du mouvement. Donc, c'est en aucun cas, comme on disait parfois, j'espère qu'on ne dira plus, la secrétaire de Freinet. C'est bien autre chose. Voilà, c'est ça. Comme ça? Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, effectivement, c'est le côté, son côté féministe n'a pas été honoré pendant très longtemps parce qu'on disait que c'était la secrétaire de Henri Freinet, alors qu'en fait, comme vous dites, Robert, ils ont créé les choses ensemble. Et je sais, d'après ce que me disait ma mère, c'est que lui, il arrivait effectivement avec des renseignements, etc. Et elle corrigeait. Pour l'écriture de la chose, c'était pas juste de la dactylographie. Voilà, parce qu'elle aidait à mettre en forme, mais linguistique, etc. Donc, c'est vraiment un travail, collectif. Enfin. Je crois que, alors ça, j'en sais rien, mais comme ce que j'ai pu comprendre, le Combat a été à la suite des autres publications, et ça a été pour moi, je pense, une conséquence naturelle. Plus qu'une décision, ça s'est fait, quoi. Voilà. Bon, alors s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être je peux remercier grandement Anne Blanchet. Et nous pouvons remercier grandement Anne Blanchet et Robert Mancarini, et aussi l'ensemble des personnes qui sont intervenues. Kelina Hintz, le maire de Mâcon. Voilà, un grand merci. Et puis, on va laisser la place à la séance de dédicace, hein, si vous n'avez pas d'autres questions. Peut-être aussi un mot, Laurent, sur le prochain rendez-vous. Je vais te passer la parole. Le prochain rendez-vous qui est prévu donc, au sein du Musée d'Histoire de Marseille. Oui, je profite de votre présence nombreuse pour vous informer d'une conférence qui aura lieu jeudi, ce jeudi-là, qui réunit trois femmes. Alors, je trouve qu'effectivement, le sujet de ce soir permet de l'annoncer aussi. Carole Mann, qui vient d'écrire un livre « Nous partons pour une destination inconnue, les femmes durant la Shoah », et qui fait
une vraie analyse, qui organise une vraie réflexion à partir de 4000 missives qu'elle a défrichées à Drancy pour étudier justement l'attitude des femmes, le comportement des femmes dans ces situations extrêmes au regard de celles des hommes. Alors, sans pour autant faire une comparaison qui vient à dire des choses et des conclusions, mais qui en même temps sont un effet miroir de cette évolution de la vie de ces femmes qui sont extrêmement différentes, parce que quand on parle des femmes juives, il y a aussi bien les juives immigrées d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, et les juives qu'on appelle, qu'on qualifie d'israélites, qui, elles, sont beaucoup plus implantées en France depuis plusieurs années. Donc, c'est un peu ce comparatif qui est fait genré. Et il y aura aussi Yvonne Salamon, qui est née à Bergen-Belsen, et qui a écrit un ouvrage en duo entre des paroles qu'elle a pu aussi rapporter de sa maman. Et c'est un vrai dialogue qui est organisé entre sa mère, qui était enceinte, qui a été déportée en tant que résistante à Bergen-Belsen et qui a accouché à Bergen-Belsen. Et c'est vraiment l'histoire et le récit de cette intrication entre ces deux femmes durant toute leur vie. Et René Dreben-Soussan, qui viendra aussi parler des femmes dans les camps de concentration. Donc on est vraiment dans un dialogue de femmes autour de cette question du genre au cours de ces périodes extrêmement extrêmes, en tous les cas extrêmes, en situation d'internement, de détention et de camps de concentration. Voilà, ça c'est jeudi prochain, ce jeudi-là, de 18 à 20 heures.